Sur la route de Marcoussis, au milieu des champs, Ox, père et fils ont installé leur brasserie. Une salle accueillante où tout le monde pourra bientôt venir créer sa propre bière. François Ox, ancien ingénieur agroalimentaire, jeune retraité de 60 ans, veut faire partager sa passion et l'art de la fabrication. La bière, c'est d'abord de l'orge, germée puis grillée, qui devient du malt. Plus le malt est foncé, plus la bière sera brune. On prend toujours une proportion importante de malt de base, puis après des malts plus ou moins foncés, mais si c'est une bière blonde, on prendra pratiquement que du malt de base, que l'on va mettre dans un moulin. On va faire une farine grossière, faire de l'empâtage et ensuite brasser. Brasser, c'est avec un fourquet manuellement ou avec des pales quand c'est une plus grosse quantité. Liquéfier, obtenir un jus sucré, le passer à ébullition pour le stériliser, rajouter du houblon qui va donner l'amertume. Le temps fera le reste. François et son fils Jean-Baptiste ont également lancé la Ox Beer, une bière qui se veut différente. Les grands industriels font de la bière passe-partout avec un degré d'amertume qui est de l'ordre de 10-15 degrés d'amertume. Moi, j'ai choisi de faire des bières de caractère et je mets 30 à 50 à 40 degrés d'amertume. François Ox a beaucoup investi, aidé par le Triangle Vert qui promeut les projets d'agriculture. La brasserie propose encore deux week-ends portes ouvertes, le 7 et le 14 avril.